Je suis en train de passer le permis à deux. J'avais aucun équipement, donc il a fallu que j'achète des équipements. Et c'est normal, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais avant. C'est un casque qui est très très vieux. Mais ce casque, il est homologué. Parce qu'il a des bandes réfléchissantes devant, côté, derrière et côté. Et c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Parce que pour tous ceux qui vont aller s'acheter un casque, quand il sera neuf, elles n'y seront pas forcément. Et si je dis pas de conneries, elles n'y seront pas du tout. Les bandes réfléchissantes, là, je parle. Hein. Du coup, ce sera à vous de les coller avec votre nouveau casque. En général, c'est soit du blanc, soit du gris. En général. Et sur des casques comme ça, ça fait pas tâche. Ça se voit presque pas. Bon, ça se voit quand même. Mais c'est pas le premier truc qu'on remarque. Le problème, c'est plutôt quand on a un casque comme ça. C'est-à-dire déjà de couleur mat. En plus, il est gris. Et tout uni, en fait, la couleur. Donc, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. Donc, si on met tout de suite ça, ça va ressortir, ça va être horrible. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais vous montrer, il en existe des noirs. Ouais, ils sont noirs et à 1 mètre ils sont réfléchissants. Alors je sais pas si on voit trop, sur la vidéo on verra pas trop, il faut être à peu près à 1 mètre, mais on voit que c'est assez réfléchissant, que ça fait son taf quoi. Et ça, sur un casque noir ou gris, ça va beaucoup mieux passer qu'un truc blanc comme ça. Bon ben je vais les installer. Alors, moi, je trouve pas ça très joli non plus, mais on est obligé, c'est la loi, c'est comme ça. Et je préfère vraiment avoir un noir comme ça, qu'un blanc qui va venir ressortir. Enfin, les goûts et les couleurs, ça se commente pas, mais moi, du blanc, hors question. C'était juste pour vous montrer ça. J'espère que ça va aider plein de personnes parce que vraiment moi ça m'aurait fait chier de mettre un truc blanc sur un casque gris comme ça. Allez, ciao !